siamo presso l'antico Teatro Apollo di Lecce e quindi questa sera consegneremo il premio Picasso. Tra gli artisti nostri ospiti questa sera abbiamo un artista che viene dal Malì, ha un cognome un po' particolare, un po' complicato. Lo facciamo dire a lui il suo nome e cognome. Tu te presenti, tu dis ton nom. Il nome? Bonjour, je commence à saluer tout le monde déjà. Et en commençant par l'association culturelle Italia in Arnhem Mondo, et de m'avoir permis d'être là aujourd'hui avec vous. Et mes sentiments sont énormes. Et moi, c'est Mamadou Sangaré. Et je viens du Mali, je suis un artiste malien. Et j'ai commencé l'art depuis tout petit. Et arrivé en France, c'est là que je me suis mis dans la peinture. Et là, actuellement où je suis, la peinture est devenue mon quotidien. Bonjour, nous sommes au Teatro Apollo et vous présente notre artiste Mamadou Sangaré, qui vient du Mali. Et lui a dit que c'est très impressionnant d'être ici, qui a commencé la peinture da piccolo et la peinture là dentro di sé. Et est très impressionnant parce que c'est la première fois qu'il riceve un premio. Ecco, questo naturalmente rientra in quella globalizzazione anche dell'arte a livello mondiale, no? Per cui la nostra associazione apre i confini, i propri confini, anche verso quelle terre così lontane dall'Italia e quindi amplia anche il concetto artistico e nell'interscambio che c'è tra artisti europei e artisti che vengono da altri continenti, che vengono da altre nazioni. Vediamo cosa c'ha da dire lui, cosa ci dice. Il expliquait que l'art a dépassé les frontières et que tu es dans un contexte culturel donc, entre les pays et pour l'échange artistique et culturel entre nos pays. Donc si tu as quelque chose à dire sur ce sujet. Bah justement, et j'ai beaucoup de choses à dire sur ces sujets parce que pour moi, l'art n'a pas de frontières. En vrai. Donc, ha molto cose da dire perché per lui l'arte non ha frontiera, non ha limiti. Donc l'art c'est ce qui nous unit. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière. Et je vais dire, il n'y a pas artiste malien, il n'y a pas artiste sénégalais, il n'y a pas artiste français. Il y a tout simplement un artiste. Un artiste, il y a un seul objectif, c'est de changer les choses. Donc, allora ha spiegato che per lui certo non c'è frontiere perché l'arte è l'arte il primordiale e un artista vuole soprattutto cambiare le cose e è qui per unire i popoli. Certo, ma rappresenta anche e soprattutto la sua terra, per cui c'è un confronto tra culture diverse. Questo è che il messaggio d'Italia in arte vuole. Aussi tu représentes ton pays parce que justement on est là pour confronter, oui. Confronter des cultures ensemble, oui. ne pas les comparer mais les confronter. D'accord, oui, ben aujourd'hui, et comme on en a parlé hier, et moi franchement en tant qu'artiste qui vient du continent africain, et ça c'est un truc énorme, donc moi, en étant être là, j'ai représenté toute l'Afrique et tout le Mali. Comme je vous ai dit, hier, je me promenais dans la rue et j'ai juste pris le temps de faire un selfie, filmer faire une petite vidéo de une minute. Mais ça a été une émotion, en fait. Et j'ai été soutenu par pas mal de gens. Et pour moi, c'est une victoire. Enfin, pour moi, le combat que je fais, et ça a dépassé les frontières. Donc pour un artiste, c'est vraiment énorme. Donc, dice che per lui è una vittoria perché la sua arte ha permesso di superare i limiti e anche rappresenta, certo rappresenta il Mali, la sua famiglia, la sua terra e è riuscito far sorpassare l'arte nel suo paese e è un po' l'eroe del suo paese. Per esempio ha detto che aveva
fatto un selfie e l'ha inviato al suo paese, alla sua famiglia, e ha fatto il selfie, ha fatto tutto il giro del suo paese. Allora certo. Credo che sarà ricevuto come il grande artista eroe. Vous avez vu l'émotion que j'avais vue hier quand on était à table. C'était énorme. Il y a eu même des larmes tellement que la joie était immense. Donc franchement. La gioia era immensa perché hanno pianti, hanno versato pianto, hanno pianto nel suo paese quando l'hanno visto. Certo. Quindi noi siamo anche in questo teatro che è un teatro molto antico. E quindi anche qui dentro si respira aria di storia, di passato. E l'Africa sicuramente, diciamo anche dal punto di vista culturale, è la radice, pare che la radice dell'intera umanità sia partita dall'Africa. Quindi loro custodiscono quelle che sono le radici appunto dell'intera umanità. Donc il dit qu'il y a un passé dans ce théâtre. Oui. Qu'il y a un passé dans ce théâtre et que donc les racines artistiques partent de l'Afrique. Ah, d'accord. Ah, ça, je viens d'apprendre quelque chose encore. Microphone. Et c'est ça l'importance de quitter chez soi. Donc là, l'avantage aussi, c'est que je viens d'apprendre quelque chose. Je voulais dire hier aussi, Picasso aussi a un lien avec nous. Et aujourd'hui, de savoir que je vais avoir un prix au nom de Pablo Picasso, et c'est immense. C'est vraiment très, très encourageant. Et j'espère que j'aurai encore un grand lien avec Italia in Arne il Mondo, et surtout avec vous, Maria, qui m'a encouragé, qui m'a permis aujourd'hui d'être là. Et j'espère que vous avez fait de votre mieux, parce que vous m'avez ouvert une porte, et moi, c'est à moi de rentrer maintenant dans cette porte. C'est à moi d'aller jusqu'au bout et de vous remercier aussi de la confiance que vous m'avez donnée. Vous voyez, et j'espère que j'accomplirai cette mission. Per sintetizzare, allora ha detto che io, sarà sempre, è un incoraggiamento questo premio per lui. Certo. E è molto contento perché ha imparato qualcosa attraverso le parole di Roberto. E per lui è molto importante imparare perché ha sempre voluto conoscere, imparare. E poi mi ha ringraziato molto perché gli ho permesso di aprire una porta e forse di incoraggiarlo perché vuole aprire le ali. Certo. È quello che ci ha detto ieri, e questo premio lo aiuterà a andare certo, più avanti. Certo, bene. Allora lo ringraziamo. Prendi il microfono, Maria, puoi tenere il microfono? Sì. Ci vediamo questa sera. Merci beaucoup. Ciao. Grazie. Grazie a te.